Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Keeper Spirit. Alors aujourd'hui on va vous présenter un grand sel spécial pluie. Mais avant tout, compte tenu des conditions climatiques difficiles en cette fin d'année, regardez l'état du terrain, on va la faire sur un plus petit but, sur un but de Benjamin, sur une zone d'herbe un peu plus conséquente, parce que là ça va être très difficile. Bon bah on y va, puis on enchaîne tout de suite. Je vais vous présenter un grand sel, le AquaWrap 2012 spécial pluie. Alors bon, c'est le 2012, mais les nouvelles versions diffèrent peu de cette version, là. Donc faut savoir que c'est la mousse de latex de chez Sels. Vous pouvez voir sur internet, sur le site internet de Sels, il y a un test vidéo très impressionnant quand ils saisissent la mousse, un ballon dans un bac d'eau avec une plaque de mousse de latex et le ballon grippe. Donc c'est un argument de vente apparemment de chez eux. Donc c'est une coupe très anglaise, hein. Sels est une marque anglaise créée par Adam Sels en 2002 ou 2003 il me semble. Donc le gant est plutôt pas mal, on se sent vraiment bien dedans. Le confort à l'intérieur, le rembourrage est très bon, le tissu au-dessus de la mousse de latex intérieur est très bon. Donc, alors, un large tunnel, donc l'entrée du tunnel est, voilà, c'est assez large. La bande de poignée en latex, tout en latex, avec le petit symbole qui précise à quoi pour le type de condition de jeu. Une espèce de petite... ergot pour tirer, pour enlever le gant, donc soit pour le gant, pour les accrocher peut-être pour le séchage, donc pareil c'est un petit détail. Donc pareil, les spécificités du gant, la spécificité aqua système, l'adhésion ultra, c'est-à-dire que le grip ultra pour les conditions de pluie. On est sur une coupe roll finger, hein, donc coupe roll finger classique, voilà. Alors pareil, au niveau du flex c'est plutôt pas mal, hein, j'arrive vraiment bien à plier le gant, donc parfait pour les dégagements au point, donc ça gêne vraiment pas, on se sent vraiment bien dans le gant. Alors la coupe roll finger, pareil, certains aiment, certains n'aiment pas. Moi je joue à peu près avec tout type de gant, que ce soit roll finger, couture négative, couture plate, ça me gêne pas, donc voilà. Bon bah étant donné on a migré sur les buts de Benjamin, étant donné que devant la surface de but sur les grands buts, sur les buts classiques, c'est vraiment pas terrible, ça aurait vraiment nu au test, donc on va le faire là, puis ben c'est parti, hein. Donc je vais utiliser un petit vaporisateur pour humidifier la mousse de latex, pour recréer vraiment des conditions de pluie qu'on n'a pas là aujourd'hui, hein. C'est un peu comme le test des Fangs Machine Aquasoft Full Sport, il pleuvait pas ce jour-là, donc j'ai énormément mouillé la mousse de latex pour vraiment recréer une condition de pluie, vraiment mouiller la mousse de latex à fond, pour vraiment recréer une condition de pluie, voilà, il pleut pas, donc on va faire comme si. Donc, je vais vraiment humidifier la mousse. Je vais vraiment forcer, hein, pour vraiment recréer les conditions de grippe lorsqu'il pleut. Je pense que ça devrait le faire. Il faut vraiment y aller. Ça peut être utilisé aussi lorsque vous voulez humidifier vos gants, au lieu de cracher dedans. Petit vaporisateur, hein. J'ai acheté ça 2,50€. Ça évite de cracher dedans. On met ça dans la petite trousse avec sa gourde dans le coin de son but. Et pendant le match, on vaporise. Et ce qui est bien, c'est que ça permet de vaporiser et d'humidifier la mousse de latex uniformément. Vraiment, c'est vraiment utile. C'est juste un petit conseil. Voilà. Bon, bah c'est l'heure du débrief. Alors, donc j'ai peu humidifié la mousse de latex, donc ça grippe vachement bien. Hein. Franchement, quand c'est archi humidifié, c'est super bien. Donc là, vous pouvez voir déjà au niveau de l'aspect du gant, hein, quand on joue sur un terrain gras, hein, par condition de pluie, vous pouvez voir comment le gant, vu que c'est un gant blanc, ben, ça marque vachement au niveau de la terre, donc esthétiquement, après voilà, bon c'est pas. Ça se lave, hein, donc vu que c'est du latex partout, sur tout le corps du gant. Donc voilà, vous pouvez voir un peu l'état du gant après avoir joué sur terrain gras et terrain humide, vu que c'est un gant fait pour. Au niveau du grip, c'est plutôt pas mal. La coupe roll finger, ça permet vraiment, hein, ça permet vraiment d'augmenter la surface de préhension, hein, de la balle, vu que la mousse de latex fait vraiment tout le tour du doigt, ça permet vraiment d'augmenter la surface. C'est vraiment pratique lorsqu'on veut capter le ballon. Pareil,
la mousse de latex est très épaisse. Donc au niveau de l'amorti, l'amorti est très très bon lorsqu'on repousse un ballon, ne serait-ce que avec le plat de la main. Quand le ballon est relativement fort, c'est plutôt pas mal. La mousse de latex joue vraiment son rôle d'amortisseur, c'est vraiment bien. La mousse est épaisse et offre un super amorti. Le gant tient bien en main, c'est un très bon gant, c'est un très bon produit. Après bon, pour un gant pluie, la couleur blanche elle salit très vite, hein, donc faut s'y attendre. Hein. Vous pouvez voir, pareil sur le pouce de la main droite. C'est un excellent produit qui offre un grip parfait. Alors au niveau du grip, je trouve ça très très bon. C'est à peu près autant qu'une mousse Aquasoft de chez Ulsport. Ça se vaut largement. Après, faut aimer la coupe Rollfinger, faut aimer le design anglais de chez Sells, mais c'est vraiment un excellent produit. Après, c'est un gant qui sort à peu près en boutique en ligne ou en magasin aux alentours de 80€, mais ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup de les acheter. C'est un excellent produit. Puis les finitions sont très bonnes, j'ai rien à dire, j'ai vraiment vraiment été satisfait de ce gant. Donc je pense que vu que c'était la première fois que j'utilisais, je les réutiliserai cette saison en match officiel, il y a de fortes chances. En alternance bien sûr avec les Ulsport Aquasoft que je vous ai présenté dans une autre vidéo. Voilà, c'était Antoine pour Keeper Spirit. Alors n'hésitez pas encore vous êtes de plus en plus nombreux à visionner les vidéos, à liker. Rejoignez la page Facebook, on n'est pas beaucoup, ça serait bien qu'il y ait un peu plus de likers sur Facebook. Il y a le blog aussi qui relaie en parallèle le Facebook. Voilà, bah c'est super bien. Il y aura d'autres vidéos à l'avenir. Il y a plein d'autres trucs. Il y aura plein d'autres surprises. Donc voilà. Je vous remercie. Bonne fête de fin d'année à vous. Bon réveillon. Et je vous dis à l'année prochaine. Ciao.